Opération journal gratuit ce matin au marché de Cayenne pour le quotidien France-Guyane. Vraiment, tu vas découvrir un nouveau journal. Un journal pratiquement 100% guyanais. Bonjour madame, France-Guyane vous offre le quotidien. D'accord, eh bien, vous souhaite bonne lecture. Alors monsieur, vous avez l'habitude d'acheter le journal de France-Guyane? Quelques fois, oui, mais bon, comme c'est gratuit, j'en fais plus faire beaucoup. Je ne l'achète pas, je le regarde sur Facebook. Sur Internet? Oui. On ne peut pas dire que ça soit pas sympathique quand même. Oui, mais pour vous c'est quoi? C'est un coup de pub aussi? Oui, c'est un coup de pub aussi. Le journal du jour donc offert à la population, une manière pour le seul quotidien de Guyane de reconquérir le lecteur guyanais qui, depuis l'avènement des journaux sur le net, avait tendance à délaisser le support papier. Il y a une part de conquête et de reconquête, c'est sûr, parce que bon, ben, les gens savent que c'est une érosion en fait, même nationale. Les gens se détournent un peu du journal, c'est vraiment libre, voilà, Internet, etc. En tout cas, les gens sont vraiment contents aujourd'hui de l'initiative. Parce que c'est gratuit aussi. Parce que c'est gratuit, évidemment. Mais voilà, en tout cas, si on redécouvre le France-Guyane à travers cette opération-là, nous sommes très heureux. Reste toutefois à convaincre de nouveaux lecteurs qui, pour la plupart, espèrent plus de proximité dans le journal. Là, s'il y a des choses intéressantes qui parlent de la Guyane, je vais en acheter. C'est vraiment cette notion de proximité, en fait, qu'on veut retrouver avec nos lecteurs. Et malgré les 4500 journaux vendus en moyenne par jour, le quotidien France-Guyane espère, grâce à ce genre d'action de proximité, élargir à coup sûr son lectorat. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.